Jersey. Êtes-vous en forme? Yeah! Ouais! Ça va frapper tellement fort avec Jachal Lajoie. Bon, ouais, Copilos, votre chum crémage ici. Il en aura le gâteau de tout le battage médiatique autour du retour des athlètes de Sochi. Bon. Ah, c'est quoi la patente des attendre à l'aéroport avec des fleurs et des banderoles, chef? On les a suivis pendant 2 semaines. Là, en plus, faut se taper dans Twitter Talk Show une semaine de plus. Hey, même Jésus a pas ce traitement-là, chef. Hein? Ah, je veux dire, OK. OK, à part qu'on écoute son film, mais le lendemain, on le voit pas à 2 filles le matin. Faudrait surtout pas oublier que les jeux, faut que ça reste un jeu. Demi l'évêque est là! Ben, merci beaucoup. Quel accueil! un voleur de télé écope de 90 jours de prison. Bon! C'est plate parce que quand il va sortir, sa télé sera plus garantie. Les nono comme ça entendre. On applaudit Jean-Yves Simard! Hey, bonne nouvelle, Jeff Fillion sera de retour à Énergie Québec. Ah, c'est sûr que c'est surprenant comme nouvelle, mais pas autant de savoir que notre nouveau gars de circulation, c'est Rob Ford. Et que notre nouveau Morning Man, c'est Rambo Gauthier. Nowhere, nowhere, hey, salut, merci, merci. OK, hey! Un chauffeur d'autobus américain s'est fait tirer dessus puis a survécu grâce à la Bible dans ses poches de chemise, dans sa poche de chemise qui a absorbé. Ça, la nouvelle. Ben oui, ben oui. Aïe, aïe, le malade. C'est quoi le dire? C'est le gars, il a été chanceux à Chris. Bon, là, les gars, il y a d'anciennes Amish qui a quitté sa communauté pour devenir mannequin de lingerie, Burgi. Elle est passée de 4 épaisseurs de grosse robe à se promener en bobette, messieurs. Fait que là, le pogné à grippe, Joël. Fait que là, la Amish, à mouche. Et voilà, ils vont terminer ça en beauté, ou peut-être pas. Jean Charest! Okay! Merci, ouais, merci! À mouche, oui, À mouche! J'aimerais bien la comprendre. À mouche, on peut y aller à grippe, les gars! Moi, je suis libanais, j'ai mis l'humus. Demain, je vais vous accompagner vers les coulisses. J'aimerais mon temps de gloire. J'ai un fogo en coulisses. Je suis déjà plus d'un média, laissez-moi ma place. Alors, Pierre-Carl Péladeau ne sera pas candidat pour le PQ. Ça a l'air qu'il n'a pas envie de parler de séparation de ce temps-là.